Je m'appelle Antoine Chastan, je suis cofondateur de Twinner, une agence de design, de conception de produits basée à Saint-André-les-Lilles. Alors nous avons créé Twinner en 2016, fin 2016, et très rapidement on s'est rendu compte qu'on avait un vrai intérêt pour exporter nos services à l'international. Il y a une vraie demande sur les savoir-faire français en termes de design, d'ingénierie. L'export pour nous, ça a pas mal d'intérêts différents. Un, c'est de disperser les risques. En temps de Covid, ça a été ultra intéressant pour nous de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier, de ne pas être franco-français, ce qui nous a permis de passer la crise de manière plus sereine. L'autre aspect, c'est de pouvoir collaborer avec différents pays, ça nous permet aussi d'enrichir nos savoir-faire. Au niveau des aides qu'on a pu obtenir, il y en a qui étaient liées au plan de relance, d'autres non. Donc les premières auxquelles on a accédé, c'était avant la période du Covid. Je pense à la mission prospection qui nous a permis de rentrer en relation avec des clients locaux, en Chine notamment. Les actions de communication qui ont été menées par Business France pour nous, la création du WeChat aussi faisait partie des dispositifs plus anciens, tout comme l'assurance prospection de la BPI. Maintenant, on a pu profiter d'aides supplémentaires du fait du plan de relance, avec notamment le chèque relance export, qui nous a permis de financer des actions de communication, le recrutement de VIE, d'effectifs à envoyer en Chine.